À cette assemblée générale, des partis membres de la majorité présidentielle, sous les auspices de son président par intérim Pierre Moussa, les membres de cette plateforme des formations politiques de la majorité présidentielle ont unanimement appelé le président de la République à faire acte de candidature à l'élection présidentielle. Un choix justifié par la posture qu'incarne le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Ce choix s'explique par le fait que, au plan national, le président Denis Sassou Nguesso incarne l'unité et la stabilité du pays. Il présente des atouts de pacificateur, de rassembleur et de bâtisseur du Congo. Pierre Moussa sur les mobiles de cette désignation de la majorité présidentielle. Nous devons nous féliciter de cette décision que nous venons de prendre. Elle est motivée par la détermination toujours forte et affichée du président Denis Sassou Nguesso à faire de la paix, de l'unité et de la cohésion nationale le leitmotiv de son engagement politique pour le Congo, mais aussi par son projet social pour le développement du Congo, dont la mise en œuvre a permis d'engranger des progrès significatifs. Après le PCT, le tour est revenu à la majorité présidentielle d'investir le président de la République comme son candidat à la présidentielle prévue le 21 mars de l'année en cours.